Salut tout le monde, c'est Dortos. On se retrouve ce soir pour une petite vidéo de la suite du Trône du Tonnerre avec KLR. Salut KLR. Yo tout le monde. Et Tunea qui se trouve à côté Salut. De moi. Voilà, donc comme d'habitude, elle ne parle pas. Elle est punie. Elle est punie. Faites un geste de charité et aidez-moi à acheter un micro. Non, je déconne. D'où je suis bumpé comme ça là. Dérapage sur l'eau. Ah d'accord, en plus on va déraper sur la flotte. Donc c'est la suite directe, pour nous c'est le lendemain qu'on le tourne, mais c'est la suite du raid du Trône du Tonnerre avec un plagiat de moi ici, puisque la tortue s'appelle Tortos. C'est dégueulasse. Pouh. Voilà. Mais lol, c'est chiant d'être bumpé. D'un coup de pied, vous enviez une tortue tourbillon vaincue à travers. D'accord. Donc en gros on tabasse des tortues pour les renvoyer après, ça va être drôle. Qui a déjà fait ce raid? Ok, il n'y a que Tunea. La stratégie est simple ou tu fermes ta gueule et tu tapes? D'accord. Ok. Bon bah en gros apparemment si on bute une tortue, puis quand la tortue est morte, bah on envoie la tortue dans la gueule de l'autre tortue. Ok. Ok. Allez, on est chaud, ouais, on vient de la street. On est des ouf, ouais. Je regardais un petit peu, ouais. Ok, on a déjà un mort. Deux morts. Deux. Et le pire, c'est que parmi ces morts, il y a un tank. Le raid commence bien. Oh là, putain. Cassia, qu'elle a. Regarde le temps déjà qu'on a. Il y a beaucoup de morts là, c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Le gars, est-ce qu'on est silence? Ah, les îles sont silence. Enfin, les îles et les castes en général. J'ai ressuscité l'autre tank, ça peut toujours aider. J'espère que ce raid va bien se passer. Hein. Oh, ça devrait pas trop poser de soucis, je pense. Enfin, j'espère. Bah, si ce qui se passe actuellement, c'est normal, tout se passe bien. Sinon, on est dans la merde. J'aurais peut-être dû me faire une autre boisson avant de commencer le raid parce que cette boisson est vraiment horrible. Non, c'est bon, t'inquiète pas. Barre du véhicule. Ah, je suis content là. Et quoi? Regarde combien il y a de dégâts dans le groupe. Oh. Alors Vladimir qui est Maximus. Vladimir c'est un Alors c'est quoi? C'est un chamelem, ok. Et Maximus c'est un chamelem aussi. Bon ok, bah j'ai zéro loot pour moi. Il y a combien de boss ici? Deux. Là donc le troisième doit se trouver. Ouais donc le troisième boss doit se trouver un peu plus loin, il est pas fiché sur la carte pour l'instant. Je sais pas, je suis jamais allé là-bas. Hein. Kyler, faut pas dire ça, c'est trop, tu vas quand même avoir du loot. Avec un peu de chance. Et moi, toi, tu penses en ce moment. D'accord. Moi et ma chance en ce moment, hein, voilà quoi. Ah, oh, t'as eu un célibi quand même. J'aurais bien voulu autre chose quoi hein, quand même. Un Mew. Entre autres, non Lucario je m'en fous moi. Bah l'aspect positif, s'il s'en fout, il te le donnera. Bon sauf si c'est une ultra rare, mais si c'est une holographique. Si c'est une ultra rare, on négociera le prix. Le
pour la première. D'ailleurs, mes chers abonnés, si vous avez des cartes Pokémon ultra rares, holographiques ou je sais pas quoi à vendre ou à échanger, n'hésitez pas à contacter KLR parce qu'il est intéressé par ce genre de truc. Ouais. Des prix raisonnables et puis en bon, voire très bon état. De préférence. Voilà. Et française. Donc voilà, si vous avez des cartes à vendre, à échanger, parce qu'il a si, enfin, au pire, vous mettez en contact entre vous, hein. Mais si vous avez des cartes qui vous intéressent plus, ou que vous voulez revendre, ou je sais pas. Enfin bref, voilà, vous le contactez. Le lien, de toute façon, est dans la description, on peut pas faire plus simple que ça. Ah non, c'est pas le moment d'être malade. Appel de Tortos. Plagiat. Bouh. C'est que la police. Il y a des tortues. Tortue ninja. Donc là, faut focus les tortues. Ouais. Bah enfin, du moins c'est ce qui semblerait logique, mais j'ai l'impression que les gens préfèrent taper la grosse tortue. Allez, boum. J'aime quand le boss il prend cher comme ça. Piétinement. Attention, il rappelle Tortue Ninja. Raffaello, Donatello. Michelangelo. Leonardo, faites péter les pizzas. Non, plus c'est du plagiat sur toi. Hein. Mais ouais, putain. C'est deg un peu. Hein. Je suis trop vénère. Allez. Kyler, dès qu'il voit une carapace, il la tape lui. Tapez. Oh. Je crois qu'on a perdu Kyler. Non. Attention. Alors, je sais pas, ton micro a fait de la merde. Oh, sûrement. Oui, je suis en train de me gratter pendant le combat. Attention, on revient à d'autres. Bah moi mon sort n'est pas prêt, hein. J'ai déjà ressuscité le tank tout à l'heure. Ouais, je suis en zone d'Alari, y'a DPS. Attention. Mais allez, que quelqu'un tape le truc là. Mais ça dit tu n'es. Ouais, c'est un petit peu compliqué votre bordel, hein. Moi je suis content de te taper, voilà. Ah. Non mais je sais pas, je pense que normalement dans la logique, les tortues qui arrivent, on devrait tous les DPS en priorité pour y envoyer dans la gueule, mais j'ai l'impression qu'on est que 3 ou 4 à les frapper. Je vais bien admettre que c'est chiant de frapper des ânes, mais si ça peut aider. Allez, toi tu décèdes. Ouais, les tortues ça y fait peut-être, enfin, j'ai l'impression que ça y fait pas énormément de dégâts non plus. Non.
laissons tomber, on se contente de taper, de toute façon je suis en zone d'alarie. J'adore ce truc. Salaud. De quoi? Attention. T'as looté un item de malade quand même hein. Ah moi j'aime bien la petite transformation que ça fait. En plus le pire c'est que j'ai même pas besoin d'attendre une demi-heure pour que ça recommence. Il suffit juste que j'arrive à récupérer 10 autres machins, puis hop c'est bon. Moi je vais mettre un totem. Je suis assez fier du loot d'hier quand même. En ce moment t'as pas mal de chance hein, quand même. Bah en même temps j'étais le seul dégât donc j'étais prioritaire pour tout ce qui était stuff comme ça quoi. Bah il y avait des wars aussi il me semble et des paladins. Ouais mais ça on s'en fout de. T'as son paladin c'est cheaté. Oh là là. Bah c'est vrai en plus. Allez il a plus que 40 millions. Enfin 35 millions. Attention. Aïe. Allez. Il est bientôt mort, c'est bon. Et on lui pète. On va. On a gagné. Les doigts dans le nez. Trésor du roi tonnerre. Alors, ah, j'ai gagné flacon des fleurs du printemps. Moi j'ai gagné des sous. Utiliser augmente l'agilité de 1000 pendant une heure. Compte à la fois. Hein. Oui, ça bah du coup je m'en fous. Mais genre complet. Et toi tu n'es, t'as gagné quoi? Ok. Ouais, j'ai gagné des sous et ça. Génial. Oh putain, écoutez, j'ai 3333 PO. Oh. Il manque juste que j'ai 33 pièces d'argent et 33 pièces de cuivre. D'argent. Ouais, si c'est ça, des paires. Il te manque combien pour avoir 333 partout? J'ai 3333 PO, 5 PA et 0 PC. Alors, faudrait que je te donne 27 PA et 33. Le mec juste porte sa marque des 3 partout, quoi. Attends, t'es où? Je suis là. Bouge pas. Thank you. Ah non, il manque un PA. Ah merde. Vas-y. Bouge plus. Thanks. Ouais, ouais. Des 3 partout. Je te les rendrai après le raid. Je m'en fous, garde-les. Tu savais. Oh, je pourrais faire 666 PO aussi. Ouais. Mais là, ouais. Ça serait du plagiat. Ouais, puis surtout, ça voudrait dire que bah, j'ai perdu des sous. Aussi. De quoi? Kaila est en train de dépasser avec son stuff PVP. Kaila est dépasse avec son stuff PVP. Oui, bah, fuck la police, hein. Hier soir, j'étais pas le seul, donc hein, voilà. Comment ça, t'étais pas le seul? Mais j'avais un pote qui était dans le raid aussi, que, avec qui j'avais fait de l'arène. Il était full PVP et tout, en mode fuck la police. De toute façon, tant que ça DPS et qu'on meurt pas, bah concrètement. Oui, voilà. Et on lui. Ah, oh, j'aime pas ces mobs, ils sont vraiment moches. C'est ça, des gros vers. Bizarres. Dégueulasse. Bah, caca! Et voilà, ma transformation s'est effectuée une fois de plus. J'avais même pas fait gaffe. Alors par contre, j'ai pu tester quelques trucs avec le bijou. C'est seulement quand j'utilise des armes, enfin des attaques de corps à corps. Si c'est des attaques distance, ça marche pas. Ouais, voilà, ouais, comme je l'avais dit hier, il me semble. Parce que si j'utilise ma rafale hurlante, tu sais, pour mon sort de zone de glace là, ouais, ça marche pas, ça me donnera rien du tout. Tandis que si j'utilise les autres sorts, il y a moyen d'avoir. Ouais, genre frappe de givre, anéantissement, etc. Bon, j'ai combien de poids de vaillance moi? 2260, oh putain. À moi, nuage magique, Dragon Ball. Oh. À moi, mammouth. Je
serait peut-être DPS les gros derrière quand même. Comment ça, vie faible? Eh, je vais mourir! Mais non. J'aimerais bien que le tank fasse son boulot de tank, qui reprenne l'aggro. Au lieu de rusher comme des porcs, là, on n'est pas en... On n'est pas en rush, hein, justement, on est en raid. Il y en a, ils découvrent ici. J'aurais pas eu mon purgatoire, je serais mort. Et on lui pètera le fion. Le fion. C'est vraiment laid ces mobs. Et bon, World of Warcraft était mieux avant. Allez, même débat qu'hier. Non mais c'est vrai que c'était beaucoup mieux avant. Bah, à choisir entre ICI ou ICC, le choix est fait. Il y a même pas de choix à faire concrètement. ICC. Bah ouais. Dis au moins le boss ICC était charismatique. Ouais, t'avais une vraie trame d'histoire quoi. T'avais pas un truc tout pété là. Je sais pas, j'ai même pas suivi l'histoire d'ici. Ah non, mais le roi Lich, il te défonce les fions, mais à sec. Avec du gros sel. Et encore maintenant, des fois, je vois des groupes, on galère quand même, toujours. Hein. Oui, non, en règle générale, le roi Lich, tu lui roules dessus. Hein. Ah, ça dépend, quand tu veux faire aller au fait, tu te fais pas, tu lui roules pas dessus. Hein. Ah, et bah là, pour le haut fait qui manque, on est obligé de se faire rouler dessus. On s'est fait rouler dessus en tout cas. Ouais, et vous l'avez foiré, c'est ça le pire. Depuis un an et demi. Voilà quoi. En date esquive de mob. Ça se sent bien les feignasses, ils ont de la flemme de faire le combat. Je crois dans une course de voiture. Miaou. Miaou. Dortos dépasse Kaler, Kaler dépasse Dortos. Il y en a un qui est tombé. Bah je crois que c'est là qu'il faut aller. Bah c'est vrai qu'il y a des mecs à DPS, donc on DPS et on ferme notre gueule. Y'a DPS. Ça pue encore la vidéo d'une heure là. Je pense aussi. Non mais c'est pas que ça me dérange de faire des vidéos d'une heure, c'est juste que c'est long à upload. En fait, là, la planification des vidéos, elle a bien marché hein, aujourd'hui. Eh non, c'est juste que l'autre jour, t'avais fait une petite connerie, quoi. T'avais mal visé. Pourtant, c'est pas mon genre. Tête de troll. Je veux pas savoir. C'est toi qui as commencé, hein, je tiens à dire. Ah, mais moi, j'ai le droit. Oh. Allez, un dernier petit machin et je me retransforme. Voilà, t'es transformé. Ouais, j'ai eu un epic lag. Plutôt. C'est trop de puissance de Zang Dalari, il faut pas chercher. Non mais c'est ça. Ah bah excusez-moi pour le petit freeze. C'est mon PC qui a fait ça tout seul. Oh putain, go, oh go, putain. Power Ranger. Je peux pas utiliser de monture tant que je suis en zone d'Alari. Ça tourne une autre forme, voyez. Non mais c'est ça en plus. Et là tu sais, si tu fais ta grosse pute en tant que DK, tu fous le passage de gym. Ouais. Là tu te fais péter le cul par tout le monde. Hop, moi je m'en fous. Marche sur l'eau. On se croirait à Walt Disney là. Le mammouth il a un trop gros cul, j'arrive pas à monter. Bon, je ne dirai rien sur la forme des boss, hein. Bah, c'est des vers de c'est des vers quoi. Oui. Ah oui, je me souviens de ce boss. J'ai vu Tunea galérer dessus l'autre jour. Parce que le groupe faisait mal ce qu'il fallait faire. Mais alors, il est c'est quoi, le lui bleu qu'il faut jamais taper. Jamais le bleu, c'est le. Ok, donc en gros, tu tabasses le vert, ensuite ils vont y chercher de place, tu tabasses le rouge. Tu touches jamais le bleu. Y'a de la bouffe? Non, je need. Oh. C'est quoi ça? Bijoux et...
Un bijou. Bijou. Et bijou et bijou. Moi je regarde pas ce qu'il loot, comme ça je suis pas dégoûté si je l'ai pas. C'est la surprise si si je loot quelque chose. Donc voilà, on enchaîne sur le deuxième boss. Tête gelée, tête venimeuse et tête machin. Comment il s'appelle le boss? Megaera. D'accord. Donc en gros c'est un méga groupe de musique. Megaera. Je sais pas pourquoi je fais ça. Complètement. Bon bah je pense j'ai qu'on peut y aller. Message. Oui c'est moi, je t'ai envoyé un texto mais tu réponds jamais quand je t'envoie des textos. Alors voici une photo des boosters qui me restent et qui ne sont pas en vente sur eBay, si intéressé me dire. Affiché contenu. Ah, quel œil, il a trouvé quelque chose d'intéressant. Sa poule. Je vais craquer psychologiquement. Ils attaquent le bleu, c'est con. Oh, il vient de fouetter une mouche. Non mais c'est ça en plus. Ah, c'est pareil, les mouches, je les éclate à coups de torchon. Ah ouais, non, elles sont chiantes les mouches, putain. Je sais pas, j'en ai presque pas, mais quand il y en a, elles te font chier. Ouais, voilà, ouais. Et en général, quand tu les tues pas, elles restent pendant un ou deux jours, tu vois. Mais surtout qu'elles sont là pendant que tu dors. Tu sais, tu dors d'un coup, t'en as... Ou alors, le pire, c'est quand tu te réveilles, quand t'as la tête dans le cul. Tu vois une mouche, t'es dans ton lit comme ça. Attention. T'as juste une envie, c'est de lui éclater sa face. Donc c'est généralement c'est ce que tu fais. Voilà. Moi c'est mon chien qui les bouffe les mouches. C'est pratique ça. Ouais. Comme ça, pas de cadavre. Ok, un heal de mort, donc je fais quoi? Je garde le sort au cas où pour un tank ou je reste le heal? Comme tu le sens, mais vu qu'on galère un peu, reste le heal. Ouais, je vais reste le heal, je vais reste le heal. Si je le trouve. Attends, je suis en forme zone de Larry, je termine. Le heal est loin en plus. What the... Bon, je vais heal un peu tout le monde. Ok, je suis mort. Bon bah, go wipe les gens. Bah oui, faut tourner le boss. Tourner le boss. Bah surtout qu'en fait, normalement, il faut pas DPS la tête bleue. Faut juste que le temps qu'il l'aggro, c'est tout, mais qu'il garde l'aggro, mais généralement, faudrait tourner... faut toujours tourner le boss. Toujours. Alors, il lui reste quoi? Il reste quoi alors, télécharger? Bon bah on va attendre le raise, hein, tant pis. Mais non, je ne ferai pas d'ellipse. C'est bon les grillades. Oui je sais, vous pouvez m'appeler Dieu hein, pour vous avoir tous raise. Moi je t'appellerai connard. Ah ouais. Ouais, on va casser du... Aider. Non, on va pas la mettre parce que j'ai failli avoir un avertissement sur YouTube à cause de ça. Ah ouais? Mmh. Sérieux? Bah, droit d'auteur South Park. Ah ouais. Donc on va éviter. Alors, il a quoi comme booster à vendre encore? Alors... Ah, j'ai craqué. Je vais craquer. Il a quoi? Je vais craquer. Alors il a du frontière franchie, il a du pouvoir émergent, du noir et blanc, du HS déchaînement, HS indomptable et Hard Gold Cultiver de base. Donc tu vas craquer, tu vas y acheter. Je sais pas encore, je vais voir. Alors noir et blanc, de base, il y a quoi comme belle carte dedans? Bon, on a fait l'appel, Kayla. Hop. Oui, je suis pris. Alors, noir et blanc, noble victor, tout court. Il n'y a que 3 ultra rares, ok, donc ça m'intéresse pas. HS déchaînement, il y a quoi là-dedans de beau? Ultra. Pff,
Alors, il y a 6 Pokémon Prime et il y a 6 cartes légendes. Ça peut pas encore. Achète un nombre table du lac de booster. Bon, je lui demanderai après le raid le prix de gros pour quelques boosters. Ok. Il t'a envoyé ça par texto? Non, par mail. Je lui ai dit veuillez me recontacter par mail si vous avez des boosters à vendre. Oui, on a encore pris le tank. Allez, ça va pull, ouais. Ça va casser des serpents. Banquet, à la bouffe! Où ça? Où ça? Où? Là. Par contre, on a deux de... Pas de la tank. Voilà, bah j'ai pas eu le temps de bouffer que voilà. Bravo. T'as pas eu le temps? Bah j'ai pas eu le temps d'avoir le bœuf bien nourri. Ah, moi j'ai eu le temps. Ça s'est joué à 3 à 2 secondes, tu vois. Ah ouais, donc t'as mis 2 secondes de trop, quoi. Voilà. Ou le tank a poule 2 secondes trop tôt. Bah concrètement il avait fait l'appel donc pas vraiment. Ouais, c'est pas grave, c'est qu'un bœuf. Bah, c'est un buff pas très 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 utile non plus quoi. Ça aide Bon, moi, mais... ça me donne 550 d'intelligence, je crache pas dessus, quoi. Non mais ça aide, mais je veux dire c'est pas Ouais. obligatoire du tout. Oui, non, Attention. non. Hop. Tourne le boss, s'il te plaît, le Ah tank. moi j'anticipe, je me mets sur le côté. Ah, pas con. Voilà, je me prends pas un pet de cramé. Pareil. Voilà, je fais péter les moustiques et la goule. Ça aide toujours. Et le tank qui se tourne comme par hasard du côté où on est. Boulet. On est encore tombé sur un boulet. Encore. Encore. Et toujours. On tombe encore et toujours sur des boulets. Mais on résistera à l'envahisseur. Attention. Le ouf. Allez, on DPS. Et ouais. Ouh là, ça commence à galérer au niveau île là. Ah bon, on va encore wipe, hein. Mais c'est le temps qui fait que de la merde, effectivement. Bon, je vais raiser un des îles. What the fuck? Je wipe alors que les deux tanks sont encore en vie, c'est un peu con. Bah vu le peu de DPS qui nous reste. Ouais, mais bon, il y a toujours moyen de réussir quoi. Oui, c'est juste long et périlleux, mais. Avec les V-Buffs, on y arrivera. Moi le buff que j'ai c'est la puissance d'attaque et il est déjà mis donc je peux pas. Ah on a perdu Cunéa. Non elle est de retour. Elle est des nôtres. On a perdu Vénarian là. Bon bah stop heal. Stop heal, il demande le wipe.
Attends 2 secondes. Désolé, petit souci en vrai. On est dehors, on s'est fait niquer comme les autres. Autre. Mais vu que j'ai pas envie de bouger, je vais attendre qu'il reste. Néo Fury, oui, j'ai rien à dire. Attends que le vert et le rouge en même temps pas face au red. Bah oui, en même temps le mec il met le rouge face au vert au red et ensuite il le tourne. C'est un peu débile. Oui, je vais lui répondre. Alors. Bonsoir, merci de l'attention que vous me prêtez. Combien pour les... Cordialement, oui, c'est ça. Ellipse. Tout le monde, donc c'est bon, on reprend la vidéo. On a eu un joli boulet qui a repoule le boss pendant qu'on est en train de décéder. C'est toi le boulet, c'est ça? Ah non. Non, c'est un démo. Oui, c'est un démo, ça m'étonne pas, c'est un boulet. Donc bref, espérons que tout se passe bien. Génial, on a deux tanks de 2D4 de plus, fait chier. De toute façon, c'est le dernier, c'est le dernier travail qu'on fait, et puis si on rate, bon, on se casse de toute façon. Donc si la vidéo se termine là, enfin juste après ce, dans quelques minutes, ça veut dire que bah on est wipe et qu'on en a eu ras le bol, donc on s'est barré. Si la vidéo continue, ça veut dire qu'on a réussi. Bon, en gros, la strat c'est que pour les tanks, quoi. Simple, c'est bien parce que maintenant on leur inflige 10% de dégâts de plus, on a 10% de soins de plus. En gros, c'est on est des boulets, on est des boulets. Hop, lui est mort. Suivant, donc on peut passer côté rouge. Voilà, attention. Donc le tank le fait de ce côté là, bon bah. Il est pas censé le faire crasher de l'autre côté à la base. Oui non mais je veux dire la tête enflammée est pas censée être attirée par un joueur. Ou alors c'est normal. Bon, en tout cas ça a l'air d'être revenu normal. C'est bon, on peut go burst. Oh, Kaelair, tu n'es. Oui. On n'a pas cramé. Oh. Donc on se contente de DPS. Ah, encore une fois, et je me transforme. Ouais. Transformation. Ouais, il est mort. Attention. Oh, je vais claquer un petit auto tranquillement, posei. Ton petit auto, c'est un petit auto de heal, c'est ça? Oui. Bon, pendant que c'est cette phase là, je vais rester dans le groupe pour rester pour le heal plus simple. Parce que je pense que c'est ce qu'il vaut mieux faire. Et maintenant, on peut retourner au corps à corps.
Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Je pense. Ouais, ça se passe bien. Mais bon, même si ça se passe bien, faut voir comment ça va se dérouler par la suite. C'est une autre histoire. Je le sens mal. Mais bon, on va rester groupé avec les gens pour le heal. Attention. Je fais DPS distance comme je peux en attendant. Je garde mon totem pour quand on sera vraiment dans la merde. C'est bon, maintenant on peut aller le DPS tranquille. Ok, hop. Bah c'est cool, la peine d'arriver, je suis déjà transformé. La seule chose qui me fait chier, c'est niveau loot, quoi. Il y a 2 dégâts de plus. Mais bon. Tu vas comprendre ce que ça fait. Non mais je comprends, l'autre jour j'ai fait un raid, enfin 2 fois de suite un raid. Enfin pas 2 fois de suite mais les 2 premiers raids à la chaîne, on était avec le même groupe quasiment. J'ai pas eu un seul loot. Donc je comprends ce que ça fait, t'en fais pas. Attention. Bon après ça veut pas dire forcément que je n'aurai pas de loot. Ça va dépendre de la chance. Bon, je pense qu'il va falloir faire ça encore 1 ou 2 fois et puis c'est bon. Encore 3 fois? Ok. Enfin bon, si les 3 prochaines fois se passent de la même façon, c'est bon. Allez, on décède, on décède. Hop, suivant. Désolé. Excusez-moi, je sais pas si m'a pris, j'ai eu un coup de fatigue. Alors. Ça y est, ça va être le cercle infini. Kaler va bailler, donc je vais bailler, donc il va rebailler. La seule qui baille pas ici en fait c'est Tuné. Oh. D'accord, donc elle baille aussi, c'est juste qu'on l'entend pas. Bon, bah pendant que vous êtes en train de vous casser le cul, moi je vais boire. Voilà. Allez, meurs toi. Ah, puis c'est fait. Allez, encore une dernière petite fois de l'autre côté. Attention. Allez. Non, pour l'instant, ça sert pas à grand chose vu que on peut pas y aller encore. Enfin, moi en tout cas. Voici ma goule, tu peux y aller toi. Pète lui le fion à ce connard. Oh. C'est bon, ça s'est calmé, on peut y aller. Bah voilà, on va finalement le tomber, donc la vidéo va pouvoir continuer. Ça c'est cool. Et il est mort. Oui. Oh oui. Je ne veux pas de butin bonus. J'ai lu qu'un vieux plastron tout kaki. Alors dans la sacoche j'ai eu des PO. Et toi ma chérie? Et toi quel air? J'ai eu un plastron en 502. Dans la sacoche? Ouais. Non, pas de sacoche par contre. Ah oui, c'est soit un loot soit la sacoche. Bah voilà, ils voient quand ils veulent. J'active la discrétion. Discrétion.
Voilà, vous m'avez bien vu. J'active la seconde discrétion. Le mammouth? Ouais. Moi j'active Dragon Ball Z. Donc maintenant on va se diriger ouais, par là-bas. Et donc on pourra enfin voir de quoi a l'air l'autre, le prochain boss. Bon bah hop, moi je récupère mon mana en DPS. Hein. En DPS, hein, oui, tout à fait. Boah. Vu que c'est pas un vrai mot de base, je pense que tu peux le conjuguer comme tu veux. Ouais. Mais j'aime quand même pas ces mobs, les fouisseurs là. Ouais, ça ressemble à rien ça. Mais surtout c'est moche. Ça a pas de charisme, c'est des vulgaires anneaux qui tournent en boucle et en boucle. Des espèces de vers de terre là, tout pété. Ah, c'est dégueulasse. Des escargots. Ah, c'est ici qu'ils explosent des escargots. Oh, trop cool. Putain, on n'est pas arrivé au bout. Hein. Bientôt, bientôt. Dispose temporairement de la technique champignon sauvage. Lol. Ah, oh, des araignées qui tombent du ciel. Bah, Magemo il serait là. C'était avec toi quand il avait fait une araignée géante avant qu'il arrive sur le serveur Minecraft? Ouais. Oh putain, des vrais connards. C'est clair. On l'avait éliminé et tout, il le l'avait mec, brûlé lui. Le mec est arachnophobe mais pure souche. Donc pire que toi, tu n'es. Moi déjà que je suis arachnophobe, tu vois, quand j'envoie une moyenne. Il peut y avoir bien pire que toi. Magemo par exemple. Donc le pauvre il débarque là sur le serveur connecté, il arrive sur une montagne. Bah, le point de spawn de bas, enfin l'ancien point de spawn qu'il avait modifié exprès pour lui. Le pauvre il se connecte. Première chose qu'il voit, une araignée géante construite au-dessus de la ville. Oh là là, il a pété un câble. C'était marrant. C'était sympa, ouais. J'ai l'impression que le raid c'est un petit peu divisé là. Moi je tabasse une araignée géante. Rien qu'à la regarder, j'ai des frissons dans le dos. Je vois une araignée comme ça dans la rue. Ah mais je sors plus de chez moi, c'est mort. Je fais le mort. Et encore. Je fais le mort, je regarde. Et je me mets du chaîne bolt, voilà. Ah ouais, voilà l'escargot, quand tu le tues, il explose. Faut le buter. Par contre, c'est un véritable escargot, hein. Qu'est-ce qu'il est lent. Enfin, rectification, c'est un gastéropode. J'adore. C'est dégueulasse, mais j'adore. Je sens que la vidéo va encore être longue. Bon bah les gens pensez à aller chercher N'hésitez à manger pas à prendre... et à boire. Ouais voilà. Ouais du saucisson. Ouais, du saucisson. Non mais je vais anticiper. Je vous le dis tout de suite. Pour les prochaines vidéos de Raid, si vous voyez qu'elle fait un certain temps, allez chercher à manger. Voilà. C'est un conseil. Putain, il m'a OS le machin. Oh. Bah je sais pas, enfin j'ai été on m'a foutu sur le sol. Regardez. PS Dortos, pardon, mort par inconnu. What? En fait, si l'escargot te passe dessus, t'es OS, je crois.
Un petit reste, s'il vous plaît. TI res. Ah non, c'est mort, les escargots, je m'approche plus. Hein. Non, mais je sais pas, je... Non, mais je te montrerai, enfin, je vous regarderai dans la vidéo. J'ai pas suivi ce qui se passait à ce moment-là à l'écran, enfin, pas vraiment. Mais en gros, j'ai été foutu sur le sol. Par je sais pas quoi. L'escargot m'est passé à côté, puis je suis mort. J'avais plus de points de vie. Bah attends, je vais tester, je vais passer en dessous. Ah oui, dévoré. Voilà, je suis mort. D'accord. Donc en gros, si l'escargot te passe dessus, il te bouffe. Voilà, c'est ça. Bon, du coup, je l'ai un peu dans le cul, mais bon. Ah, on va 13, t'inquiète. Putain, il s'est retourné, j'ai cru qu'il allait me bouffer, donc il est... C'est Julien, un bœuf, là. Mais j'ai pas le temps de voir ce que c'était. Donc Forest, il est mort, maintenant. Merci. Ah bah restituer de masse, bah c'est beau ça. Les restes de masse, je pense que le mieux c'est de les garder quand même pour les boss. Ah oui, quand on wipe, ouais, c'est clair. De quoi? Ok, donc s'il va à gauche, je m'en vais sur la ligne de droite. S'il va à droite, je m'en vais sur la ligne de gauche. Il va à droite, c'est tant bien, je suis à gauche. Ah non, il va de notre côté. Attends, chaîne de glace. Sur le gastéropode, je veux. Chaîne de glace. Putain, il est insensible. Je crois que tu vas me bouffer, salaud. Ok, on est en train de mourir étouffé, là. J'avais même pas fait gaffe. Genre ce petit machin là, ça a 13 millions de points de vie. Oui, oui. Ce sont des putains de petites abeilles, des sortes d'abeilles, ça a 13 millions de points de vie. Je t'avais dit que les moustiques c'était efficace, c'était dangereux. Ouais, j'aime pas trop ce raid. Je sais pas, c'est censé être le trône du tonnerre, donc avec des trucs de foudre. Perso, je vois pas beaucoup de foudre hein, depuis tout à l'heure. Ah, Jikun. Ah oui, c'est ici où tu peux tomber, c'est marrant. Enfin, tu sautes là. Un joli bâton. Bâton. Oh, il est beau en plus. Jikun. Donc, normalement, il y a une stratégie. Je crois qu'il y en a qu'il faut qu'ils aillent sur les plateformes d'œufs. Ah mais le mieux c'est qu'on désigne qui va où. C'est vrai que là si tu tombes tu remontes en tout seul. Ouais. T'as testé? Et KLR, tu sais que si tu sautes dans le vide tu remontes tout seul. Ah ouais. Normalement. Non ouais. Fumier va. Non je te jure. Ah bah ça y est. D'accord. T'inquiète pas, je te vois. De quoi? Bah en fait, c'est pourquoi tu peux pas mourir. Non. Viens, mets-toi au bord et regarde sur le bord. Tu vois, il y a un nid en bas. Ouais. Et bah normalement, il y a certains, normalement, il y a des DPS qui doivent aller là-bas pour tabasser les œufs. Ah bah essaye. Bah moi, je vais pas aller sur les nids si je dois pas y aller. Je connais pas. Normalement, c'est ceux qui y vont. C'est ceux qui connaissent qui y vont. Moi je tabasse le gros moi. Ouais. Puis je pense que les abonnés qui regardent la vidéo seraient plus intéressés de voir le boss se faire défoncer que des putains d'œufs de merde. Putain. Le démo il se touche. Non, c'est juste le démo, il est parti au nid donc il va pas y avoir appui. M'en fous, j'ai encore métro bon bec.
Ouais, je pense pas qu'il aura été si long que ça la raid hein, finalement. Bon, si on wipe pas d'ici là, mais. Ouais, mais même, je sens que ça va encore être une vidéo assez lourde à encoder et à uploader. Ouais, moi j'avais fait un mis un chronomètre pour voir enfin, combien de temps avait duré mon upload et la durée. Attends, un peu screen. Finalement, il a duré 1 heure et demie. Ouais, mais toi, c'est pas un jeu que t'uploades. Ouais, mais ouais. Mais moi, je suis en CPL et dans la campagne du dur. Ouais, Profonde. d'accord. Mais bon, je veux dire, uploader une vidéo d'un jeu vidéo est toujours plus lourde Ouais, qu'uploader ouais, une vidéo comme ça, quoi. Ok, ça poule. Ça poule! Yaaaaah! Hop, on dépêche le piaf. On va manger du poulet rôti ce soir. Oui. J'aime le poulet. Magiche! Magiche. Bon, ça, je m'en fous qu'il ait des crocs tant que ça se mange. Bah, c'est un piaf Zandalari, quoi. De Ah, quoi? Tuna est morte. Attends, je te ramène. Non? T'as déjà été ramené par quelqu'un d'autre? Ouais. Après tout, on est 3 DK, donc chacun peut utiliser son sort un par un. Ça, c'est l'avantage. Au moins, on pourra ressusciter les autres joueurs si on est plusieurs DK. Attention. Oh, on s'est tué par des plumes! Eh, elles font mal, ces plumes de merde. Connerie de piaf. Faut tous les buter. Défonce-les tous, défonce-les tous. Piafemon. Nourrir les petits. Non, tu reviens. Tu t'en vas pas. Tu nourris pas les petits. Attention. Non. Non, je veux pas. C'est bon. Yippee! Vous avez survécu? Ouais. Croassement. Ok. Alors là, il va prendre cher pour m'avoir fait ça. Poufias. Oh, Voilà, il ou elle. je suis transformé en super guerrier. Parce que j'ai pas les cheveux dorés, puis j'ai un corps bizarre. En 7 secondes, il balance ses plumes. Attention. Il va lancer plus. Je peux pas le geler? Ouais, non. Ça aurait été trop beau pour être vrai, hein. Je peux pas l'interrompre non plus. Je viens d'essayer, ça a pas marché. Dommage. Ça, c'est dégueulasse, par contre. Dans 4 secondes, il nourrit les petits. Et dans 22 secondes, on va devoir recourir comme des tarés. Ça va, ça se passe bien pour toi, Tuné, là? Donc on est bien parti pour gagner? En même temps, si les gens restent dans les flaques de poison, ça va, on va pas tenir, hein, par contre. Attention. Hop, on recommence, on court. Vite, sombre course. Ouais, je suis sur place. T'es pas tombé? Non, grâce à Ah, sombre course, salaud. je pouvais courir sur place. Ah bah je suis con, moi je devrais mettre ma forme de loup spectral aussi. J'aime pas le fait qu'il y ait une grosse lumière rouge à ma gauche. Attention. Des plumes dans 56 secondes on va devoir recourir. Bon, pour l'instant tout se passe bien. Hop, je refais péter les moustiques, ça peut toujours aider.
je rinvoque meuf et fille. Parce qu'elle est bien, ma fille. Allez, tape. Prêt à courir? Allez, Kyler, tu peux mettre ta forme de loup. Attention. Ouais. Oh putain, c'était juste, mais je suis pas tombé. Puissance des dégâts, déplacement plus vite. Attention. Et ça fait quoi son truc? Ça augmente ta vitesse de déplacement. Ouais, ah, je sais pas, j'ai pas fait gaffe. C'est le boss final celui-là. Bon bah je vais pouvoir faire péter un des trucs. Faut plus de puissance, mais je le ramène. Allez, il tombe. GG. Oh oui, des jambières. J'ai un rien token que je peux échanger, yes. Ah oh bah en fin de compte, j'étais gâté. Ah, j'ai looté quelque chose. Et j'ai looté un bijou. Attendez, ah, je vous link. Ça m'a été chanceux, toi. Guild. Alors, toucher... Donc ah ouais, il est vachement bien ton bijou. Donc je vais mets le mets-le mettre... à la place de ton vortex. Ouais, c'est ce que je comptais faire. Donc hop, voilà. Le vortex, oh, de toute façon, c'est un truc PVP, je crois. Non, c'est pas un truc PVP le vortex, mais disons que son proc est pas très intéressant, quoi. Ça donne de la hâte, ce qui te fait taper légèrement plus vite, mais rien de transcendant, quoi. Donc je sauvegarde ça. Donc pour le PVP, je ferais mieux de garder la plume fabuleuse aussi. Pour le PVP, du coup, ouais. Donc, ouais, ouais, carrément. PVP équipé. Donc je mets la plume à la place du vortex. Donc le vortex, je peux le revendre. Ouais. Par contre, pour le PVP, je vais quand même garder l'insigne de victoire du gladiateur. Ouais, ouais, ouais. Et ça, donc ça, je le garde en stock. Ça t'apporte de la puissance, c'est juste ce qu'il faut pour faire plus mal sur les joueurs et du stuff PP. Donc hop, le vortex, il est à vendre. Bon bah c'est plutôt bien passé. Donc bah, voilà. Finalement j'ai lu deux trucs moi. Donc on se dit à plus tard pour la prochaine partie. Bye tout le monde, salut. Bye, peace.